Alors, je suis Régine Azria, je suis membre du CUIFR, le Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux. Et je travaille plus particulièrement sur la modernité juive dans le cadre du CUIFR, c'est-à-dire dans une perspective comparative et transdisciplinaire. Dans cet ouvrage, il s'agit d'une commande d'abord. Il s'agit d'une commande d'éditeur qui s'inscrit dans une collection « Les lieux ». Et donc, on m'a demandé de faire quelque chose à partir des lieux du judaïsme. En fait, c'est le titre qui m'a été imposé par l'éditeur lui-même. C'est donc la consigne de départ qui m'a permis de concevoir le plan et la matrice de l'ouvrage. L'intérêt de l'ouvrage réside probablement dans le fait que, s'agissant des lieux, j'ai pu me donner une certaine liberté en m'appropriant la notion de lieu à la fois de façon très concrète, les lieux géographiquement situés, mais également en me donnant la possibilité d'envisager les lieux comme métaphores. Métaphores du temps, métaphores de l'espace. Ce qui m'a permis de croiser différentes approches, des approches strictement sociologiques, dirait-on, des réflexions un petit peu théoriques, de présenter des situations concrètes, mais également de montrer la stratification du temps, une forme de feuilletage, c'est-à-dire montrer que, s'agissant du judaïsme, comme de toute autre tradition ou autre religion, on a un rapport au temps, on a un rapport au régime de vérité qui se superpose, qui s'articule les uns avec les autres, ce qui rend des questions a priori simples beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches. Et c'est, finalement, c'est à ça que j'aspirais dans la rédaction et dans la conception de cet ouvrage.